Bonjour à toutes et à tous les gens, c'est FunBattle17, comment allez-vous? Moi c'est plutôt nickel comme d'habitude, et bienvenue pour ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va jouer à Mario Kart 8. Voilà, on va essayer de faire simplement tous les grands prix du jeu, en sachant que j'ai déjà également les DLC. Donc dans les commentaires, vous me proposerez les personnages et les cartes que vous voudriez voir, j'ai tout débloqué. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va commencer classique. Coupe champignon, Mario avec tout en standard. S'il y en a qui disent que t'es qu'un pauvre. S'il y en a qui me disent que je suis qu'un pauvre petit Kikou, je connais pas les meilleures combinaisons du jeu, si je les connais. Donc voilà. Retenez-vous de dire ça. Donc, ce sera 150 cc, il y a normal. 4 courses bien sûr. Donc voilà, vous me proposerez, vous pouvez me proposer des défis, par exemple jouer avec le gyroscope ou encore avoir que des objets particuliers ou tout simplement, ou carrément pas utiliser d'objets, ça pourrait être pas mal, et que les bottes, eux, en aient. Voilà, donc on est parti. Je fais ça en course VS, justement pour pouvoir après sélectionner ce que je peux faire. Donc on commence avec Champidrome. Que tout simplement la première course que vous faites en démarrant le jeu. Et voilà, tout simplement. Donc bon, on est parti. Je vais essayer de pas trop rager parce que bon, là encore ça va. Mais vous verrez que dans d'autres vidéos, notamment sur Splatoon, parce que j'ai aussi Splatoon, je rage énormément quand je joue. Et j'insulte à tout va. Donc voilà, c'est comme ça. Tiens, Todd a déjà un klaxon et je me le bouffe quoi. C'est pas vrai. Non, pas la carapace. Tout sauf la carapace. Tiens. Sorry. Oula. Faut faire gaffe. Donc sachez que vous aurez pas que du Mario Kart sur ma chaîne, hein, je vous dis tout de suite, j'ai plein d'autres let's play que je vous ferai. Oh le snipe. J'ai plein d'autres let's play donc que je vous ferai. Donc voilà, que je vous ferai. Voilà la bleue, on l'a tous vu sur la carte. Donc là bon, je vais peut-être repasser deuxième. Non c'est bon, t'as par contre Toda un champ pipi. Ça peut être dangereux, on a eu à tenter de faire le cut. Ouh là, va pas dans l'herbe. Ah non, il avait pas de champ pipi. Je croyais. Oh putain, il y a une plante. Alors la plante, c'est là, elle est aussi pas mal cheatée en fait, parce que tu peux croquer les gens et ça te donne du boost. Mais tu peux aussi croquer dans le vide et ça te donne quand même du boost. Tu t'appuies justement sur la touche pour activer les objets. Putain, j'ai que des pièces là, j'ai pas de bol. Vraiment pas de bol. Allez, on y va, dernier tour les amis. Tac. Je mets cette banane à mes fesses. Vous voyez. Donc ça permet de se protéger pour ceux qui ne connaissent pas tellement Mario Kart. Si vous mettez une banane ou une carapace encore même à vos fesses tout simplement, ça permet de vous protéger des carapaces rouges quand elles arrivent, tout simplement. Oh putain la bleue, non. Vous voyez, ça c'est le genre de truc typique qui fait rager, c'est genre tu te prends une bleue ou une rouge juste avant la fin et tu rages et tu finis dernier. Voilà. Bon, perso, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai fini premier. Voilà. Je vous donne une idée, j'ai vraiment torché ce jeu. Vraiment, vraiment torché. Voilà. On va continuer, du coup, on continue avec. Par Google. On y va. Temps de chargement. Bon, ça va sur ce Mario Kart, les temps de chargement sont pas très longs. Donc voilà. Allez, on est parti, deuxième course, les amis. Pour le super démarrage, ça a changé contrairement à Mario Kart 8 où il fallait faire simplement à la fin du 2 pour faire un vraiment overpower super démarrage.
Là, je crois qu'il faut le faire vers le milieu du 2. Enfin, bref, il faut le faire pendant le 2. Moi, je continue à le faire fin du 2. Perso. Donc, comme ça, moi, je suis sûr au pire d'avoir peut-être le. Au moins, peut-être un petit boost. Voilà. Ça serait déjà bien d'avoir un petit boost. Donc, voilà. Oula, attention. Ouais, c'est ce que ça fait de regarder en arrière. Il peut y avoir des grosses peaux de badane, c'est que tu vois au dernier moment et que tu te les prends quand même. Ouais, ça c'est le gros pied de la vue arrière en fait. Le gros piège. Au dernier tour les amis, sans aucun problème. T'as Mario Tanuki, me suis là. Ouh, attention. Oh non. Donc au niveau de mon planning, se faire battre par les bottes quoi, avec les bottes au niveau sans cesser quoi. Oh non, s'il te plaît, non. Bon, deuxième, c'est pas si grave. Donc au niveau de mon planning, oui, j'étais en train de dire ça. Au niveau de mon planning de vidéo, il y aura une vidéo mercredi et une autre vidéo le week-end, donc ça pourrait être samedi ou dimanche. Pistolise donc. Donc ouais, ça pourrait être comme je l'ai dit samedi ou dimanche. Donc voilà, donc vu qu'il y a à peu près 12 coupes dans le jeu, et bien on fera 12 épisodes forcément. Et puis après quelques autres petites vidéos à côté, peut-être avec des invités, c'est pour être sympa. Donc voilà, allez hop, le canon. Et puis bon, bah franchement ça vous permet de découvrir le jeu, même si bon, je ne suis absolument pas le premier à faire des vidéos sur ce jeu, je suis, je pense, le dernier. Donc si vous, non, j'ai pas pris le bon chemin, c'est pas grave. Non, mais c'est sérieux ça! Donc, sachez que j'ai aussi la version Deluxe, donc la carte Deluxe. Donc, si vous voulez que je prenne des personnages, par exemple le roi Boo, Bowser Junior, ou encore les personnages de Splatoon, eh bien, demandez-moi. Tout simplement parce que je le ferai. Je le ferai. Et. Et voilà. Je suis deuxième, là ça va pas là. Faut que je remonte. Donc les trois bananes, contrairement à mon cartouche qui ne sont plus tout simplement à vos fesses, mais qui tournent comme les carapaces. Comme les trois carapaces, donc soit rouge ou verte. Sont vraiment les trois carapaces rouges, c'est vraiment des items, c'était le dernier, limite. Bah ça c'est le meilleur chemin, le rose. Si vous faites du time trial sur ce jeu, faut vraiment prendre celui-là. Et voilà. Donc voilà, on va passer au dernier tour de cette avant-dernière course. Et wouhou, vous voyez, ça c'est vraiment de la pure chance. Hein. Dans le kart 8, je vais peut-être me débarrasser de ça. Mario Kart 8, c'est vraiment de la chance à l'état pur. Enfin, Mario Kart, c'est vraiment de la chance. Je vois surtout sur Mario Kart 8, c'était vraiment un jeu de chance. Là, un peu moins, il y a déjà un peu plus le niveau skill qui est mis simplement
en jeu. Ça veut dire que si vous êtes pas forcément très bon, vous n'avez pas non plus énormément de chance de gagner par exemple des points d'or en 200 cc du premier coup, ou encore avec des étoiles. Moi j'y ai réussi, je ne me vante pas, mais j'y ai réussi. D'ailleurs j'ai un petit combo pour ça, pour le 200 cc, que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo, si j'y pense, et si la vidéo n'est pas non plus très très longue. Dernière course du coup, Temple Toi, qui est une de mes maps préférées, j'aime beaucoup aussi Park Loop Loop, qu'on a vu. Franchement, ce Mario Kart 8 est vraiment plein de maps que j'adore. On a une idée sur Mario Kart 8, il y en avait 2-3 que j'aimais, vraiment très peu. Et là, franchement, il y a déjà plus de maps que j'aime. Temple Tronc en fait partie, et par contre, groupe également. Donc, je vous dirai toutes celles que j'aime bien au fur et à mesure des coups. Donc, je vous dirai, on va dire, après chaque. J'aime après une course par coupe, à peu près. Voilà. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je le trouve très très beau ce Mario Kart 8. Quand on compare à Forza 7, bon, c'est clair que Forza 7 ça restera le boss niveau course. Mais voilà, si on compare à un autre jeu de cartes comme Sonic and Sega All-Star Racing Transform, qui est sorti en 2012, donc il y a quelques années maintenant, à peu près 5 ans, je pense. Eh bien, franchement, pour du 2012, je peux aller vous chercher un autre jeu de 2012, par exemple Lego City Undercover, qui est un de mes jeux préférés de Wii U. Je peux aller donc vous chercher bien ce jeu. C'est date de 2012, je crois. Et franchement, il est... Ah merde, ça marche pas le... Bon, ça par contre... c'est un petit oubli de mémoire. Voilà, voilà comment passer un noob devant plein de personnes. Mais c'est pas vrai, hein. Je suis très bon à Mario Kart. Donc voilà. Donc écoutez, moi, si vous avez une Wii U, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez ça dommage que Nintendo ait simplement arrêté Miiverse et fermé tout simplement Miiverse? Moi, franchement, je trouve ça quand même un peu dommage. Alors, à la limite, qu'ils le remettent sur Switch, ça ne m'aurait pas dérangé. Même si on est d'accord que c'est un échec total. D'un certain côté, moi perso j'aurais bien aimé au moins qu'ils le remettent sur Switch ou un autre système, vous voyez, un peu plus compréhensible, on va dire, qui amènerait plus de gens. Voilà, bon, maintenant forcément on peut partager sur Facebook et Twitter, mais voilà, quand même c'est pas une raison. Donc voilà, on va avoir terminé ce grand cru, on va dire, à peu près normalement. Voilà, enfin, et on va dire en finissant quasiment premier. Je tiens à vous préciser que je suis pas vraiment adepte des temps forts de sur, c'est pas le truc que je préfère. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Voilà. Alors rapidement, je vais vous montrer la petite combinaison que je vous conseille également d'utiliser si vous avez du mal en 200 cc. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon Mii, donc la tenue, ça on s'en fout. Je prends mon Mii et je mets tout simplement la voiture chaussure, donc le Snake Kart. Je mets les roues standard bleues, elles sont et le delta plein de nuages. Et ils ont une grosse maniabilité et une bonne vitesse. Après l'accélération, ça peut encore se faire. L'adhérence, elle est parfaite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment génial pour le 200 cc. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici à très bientôt.